C'est un festival qui met en vitrine et en valeur la diversité culturelle et la richesse des parcours des personnes sur le territoire de Marseille. C'est aussi redonner aux gens le goût d'être ensemble en profitant d'un spectacle, d'un concert. C'est un moment incontournable dans l'année pour le jeune public. En 10 secondes, moi, Jonathan, je dépasse les 135 km à l'heure, établissant un nouveau record mondial de vitesse pour Coëlan. Quand il ne pleut pas, quand il ne fait pas froid, je fais comme les chats. Belmino, c'est une opportunité d'avoir une offre très développée pour les enseignants, pour le milieu éducatif qui pourraient être intéressés par une activité musicale dans leurs écoles et dans leur structure. Et donc, de pousser ce projet de scène musique actuelle jeune public pour permettre vraiment de devenir un pôle central dans le pays autour de la question de la production et de la création des jeunes publics. L'EAC, c'est l'éducation artistique et culturelle. C'est extrêmement important pour l'éducation nationale puisque depuis 2015, c'est reconnu comme étant une composante du socle de connaissances, de compétences et de culture, le bagage des élèves lorsqu'ils quittent l'école. Et Babel Mino et la Cité des Minots, pour nous, c'est un dispositif exemplaire parce qu'il fait intervenir sur un temps long des artistes dans les classes et il met les élèves justement dans cette situation de pratique en les faisant chanter, en travaillant en groupe. C'est vraiment une expérience unique pour les enfants. Ce qui est intéressant, c'est que Babel Mino, c'est typiquement une de ces aventures dans lesquelles on embarque les enfants, leurs familles, les artistes. On réfléchit collectivement à la façon dont on fait société finalement autour de l'art, de la culture, de la musique. Et en fait, c'est ça l'enjeu, par exemple, de la nouvelle délégation générale. C'est de travailler en lien avec chacune des directions métiers pour se dire, voilà, comment est-ce que la création, comment est-ce que l'art, la culture sont au cœur de nos vies quotidiennes et comment est-ce que chacun d'entre nous nous sommes et nous devons être pleinement capables et nous sentir pleinement capables, libres, sans aucun frein, ni symbolique, ni matériel, ni géographique, de nous en emparer et d'en faire notre propre culture et de construire notre chemin culturel. Alors l'avenir pour le spectacle musique jeune public, j'aurais tendance à être positif au regard de ce qu'on vient de vivre. Cette question des minots, des parcours de la vie et notamment des enfants doit mieux et encore plus être inscrit dans des enjeux de politique publique certes, mais aussi comment est-ce qu'on se dote d'outils. Et je crois que les outils aujourd'hui initiés par le Nomade Café à travers le Babel Mino répondent à cela. Et en voyant ce type d'aventure collective, je pense que on va s'en sortir. Connais bien bien Codio, Codé on lit même ça mon talon il aime dans le salon. La même mon ami rentre dans le rond, le rond les serrés mi transpire fort, mi sans son l'odeur son corps, les comme l'ilazette à moins un sort. Ti Codé on l'a laissé ressort, tira la lit pour sa lisodi, ti caresse à lit pour nous danser. Tenna l'emploi, il donne le grain. N'a crasé l'isis qu'à grand matin.